First quarterfinal match between France and the United States. Please be informed that a special pre-match protocol will be in place. As part of FIFA's commitment to promoting diversity and eradicating all forms of discrimination from football, the two teams will come together for a joint photo opportunity before kickoff. LED boards displaying living diversity would also be shown throughout the match. In addition, video messages from the captains of the 8 participating teams would also be shown inside the stadium, encouraging fans to unite against all forms of discrimination and to celebrate inclusion irrespective of ethnic origin, gender, sexual orientation, disability, religion, or any other reason. All right, we're now going to start with the pre-match press conference for Team France. Joining us today, we have head coach Corinne Diacre and team captain Amandine Henry. As usual, if you do have a question, please do raise your hand, wait for the microphone, and if you haven't downloaded the app, please do so, the FIFA interpretation app. All right, if you're all ready, we're going to get started. First question here at the front, please. Bonjour Corinne, bonjour Amandine. À 24 heures, un peu plus de 24 heures de ce quart de finale face aux États-Unis, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est un adversaire dont on a beaucoup parlé bien avant cette Coupe du Monde, dès le tirage au sort. Oui, c'est vrai que c'était le match attendu. Yes, this is a very hotly anticipated match, and we're nearly there now. Pour les États-Unis en huitième de finale, maintenant, les deux équipes sont bien présentes. Écoutez, pour ma part, toujours le même état d'esprit. On a bien travaillé. On a préparé ce match comme les autres. J'espère de la meilleure des manières. Il n'y a que le résultat qui nous dira ça demain. Écoutez, en tout cas, on s'est bien reposé. On a bien travaillé également. Maintenant, il faut faire place au jeu demain, en prenant en compte aussi la température qu'il fera. Mais ce sera la même chose pour les deux équipes. Donc, à partir de là, on part sur un pied d'égalité. Bonjour Corinne, bonjour Amandine. C'est une question pour toutes les deux concernant justement le huitième de finale et les difficultés rencontrées par les Américains face à l'Espagne. En regardant le match, je suppose que vous l'avez vu et revu. Est-ce que ça peut donner des idées justement sur le fait que quand elles sont bousculées, quand elles sont un petit peu acculées, alors certes l'Espagne n'a pas gagné, elles commencent un petit peu à montrer des signes de faiblesse. Est-ce que ce sont des choses que vous avez relevées, sur lesquelles vous avez travaillé et que vous connaissiez déjà dans les défauts des Américains? Ça fait six mois déjà qu'on les observe depuis le tirage au sort, comme les autres nations. Il y a quelques failles, mais dans toutes les équipes, bien évidemment. C'est vrai que l'équipe d'Espagne a très très bien joué, mais on le savait que ce serait aussi un adversaire difficile, faut pas croire. Quand vous voyez aussi le nombre de pays européens qualifiés aujourd'hui, c'est dire aussi que le football féminin européen se porte très bien. Après, on a relevé que l'Espagne, c'est une nation, pas forcément que sur ce match, mais il faudra simplement que les joueuses demain puissent s'exprimer. Tout le monde n'aime pas être bousculé. Tout le monde n'aime pas avoir la possession, on va imposer notre jeu. But we're going to try and take the game to the opposition tomorrow night. We watch their match against Spain. We're aware of their strengths, but they also have some shortcomings and weaknesses, and we're going to try and make the most of those. However, we are motivated, and we need to go out and try and get through to the semi-finals. They're not just going to hand it to us. Bonjour Corinne, bonjour Amandine, Anthony Rey, chez RMC Sport. Une question pour Amandine, vous qui avez joué aux États-Unis. Il y a quelques jours, les joueuses américaines disaient qu'elles avaient la première équipe du monde et la deuxième meilleure équipe du monde. Est-ce que ce fighting spirit et cette confiance en elles ne tendent pas parfois à l'arrogance? Ils ont prouvé leur capacité, leurs friendlies, 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 leurs fri
Gentleman at the back, number 5, please. Oui, bonjour, Mathieu Barbourous, l'équipe. Une question pour Amandine. Comment est-ce que vous appréhendez la chaleur et comment est-ce que ça se traduit dans votre organisme? How are you dealing with the heat and is there any additional fatigue? C'est sûr qu'on voilà, on sait qu'il va y avoir la chaleur. Maintenant, voilà, il faut pas se plaindre. C'est pour tout, pour les deux équipes. But you mustn't moan about that. The same goes for both sides. Faut s'hydrater au maximum. You need to try and get as much water on board as possible. Après, il faut s'acclimater aussi à la chaleur, pas rester enfermé. But it's also about trying to acclimatize to the heat. You can't simply stay inside because we're going to need to come up at our hotel room sooner or later. But during training sessions, we need to take on board more water. Even outside of training sessions, you might have the air conditioning slightly higher than usual, but you mustn't change things too much. You need to make sure you eat well as well, but we do that on a daily basis. So there's no real changes apart from the fact you need to take on board more fluids. Bonjour, Anne-Sophie Bernadi pour la chaîne L'Équipe. Une question pour vous, Corinne. Vous l'avez dit, le match est très attendu. Il a été fermé depuis plus d'un mois. Il y a beaucoup d'attentes. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'excitation pour vous que face au Brésil la semaine dernière? Than you were against, Brazil last week. Au regret de vous décevoir une nouvelle fois, Once again, I'm going to have to disappoint you. Il n'y a pas plus d'excitation que contre le Brésil. It can be dangerous to get too excited about matches, especially if you're not able to control that. So I prefer to stay focused on our target, on our mission. Our mission is not over at this stage, so we mustn't waste energy on that. You can actually lose energy by being a bit overexcited. And the longer the competition, the further you go in the competition, the tireder you get, which is why you need to rest up as much as possible and hold something back in the tank. We are trying to rest as best we can. Of course, it's less easy with the heat. Pour se ressourcer, même si c'est une heure ou deux, et puis surtout rester focalisé sur notre objectif. Bonjour Corinne, bonjour Amandine, Tiffany N, RMC Sport. Vous revenez au Parc des Princes, on s'en souvient, le premier match avait été empreint d'émotions, des larmes pendant la Marseillaise. Comment, depuis ce premier match, vous avez réussi à emmagasiner tout ça, l'engouement populaire? Est-ce que store all of that and see all of that enthusiasm? Has it allowed you to express yourself a bit more on the pitch? No, I'm not. I don't go out there to play. Oui, bah après voilà, il y avait l'émotion du premier match. Yes, of course, there was a lot of emotion that surrounds the opening match, but I think we managed that well because we produced a great performance and we've played some games since, and now they're knockout matches. So there's some real pressure on these games, but those are the games you want to be involved in during your football career. On est motivé à 200%. Of course, we're motivated 200%. The gentleman in the middle with the black T-shirt, please. Oui. Bonjour Corinne, Pierre Niguet, la chaîne L'Équipe. Est-ce que demain vous allez affronter la meilleure équipe du monde? Are you up against the best side in the world tomorrow? Oui. Oui, en tout cas, c'est une équipe qui est hyper titrée. They've won a whole host of silverware in the women's game. C'est cette équipe-là qui est encore première au classement mondial, donc if they're still ranked number one in the FIFA ranking, so I would say yes, best team in the world. Oui, bonjour, Jérémy Talbot de l'AFP. Les États-Unis ont tendance à partir très vite, à lancer très, très fort leur match. Comment vous pouvez répondre à ça? Est-ce qu'il faut d'abord faire le dos rond et ensuite commencer à monter en puissance petit à petit, ou est-ce qu'il faut mettre la même intensité qu'elle, essayer de les faire douter le plus tôt possible? Merci. Écoutez, c'est un plan de jeu que l'on définira avec mes joueuses. We will come up with our game plan together. My players and I will do that tonight during our final training session. But clearly, we're not going to tell you about what our plans are. De garder ça pour nous au maximum, et surtout l'idée, ce sera surtout des surprises. As much as possible, but the idea ultimately is to try and catch them off guard, to surprise them. But of course, yeah, we are going to implement something. Bonjour Corinne, bonjour Amandine. Ici Siani Dalma pour l'équipe. Est-ce que, donc sans dévoiler vos plans de jeu, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez préparé ce quart de finale? Vous avez dit que là, vous avez beaucoup travaillé, mais surtout on travaille pour préparer un match comme celui-ci. Écoutez, on travaille déjà sur l'analyse du match contre le Brésil. We started by analysing our game against Brazil, looking at what worked, but above all, what didn't work. Et puis surtout, travailler sur l'équipe adverse.
And above all, then we worked on the opposition. Même si j'avais des observateurs et j'ai encore des observateurs sur la compétition, j'ai mon adjoint qui fait également un gros travail d'analyse. Mais il est important pour moi aussi de m'imprégner du jeu de l'adversaire. Voilà, donc quelques matchs ont été visionnés mardi après-midi, pardon. On Tuesday afternoon. Bonjour. C'est une question pour toutes les deux, Favier de Sud-Ouest. Pardon. Vous avez battu les Américaines en match amical et dans un tout autre contexte. Vous avez battu les Américaines en match amical et dans un tout autre contexte. Néanmoins, en quoi il vous sert ce match? How will that game help you? Will you on ne s'est pas appuyé dessus. Non, parce que vous l'avez dit, c'était un autre contexte, c'était un match de préparation, c'était au mois de janvier. Les joueuses américaines venaient juste d'être assemblées en camp d'entraînement. Nous, mis à part, je crois, 10 ou 15 jours de coupure entre Noël et Premier de l'an, on était en plein championnat, donc on ne peut pas du tout comparer. Maintenant, ce jour-là, on les a quand même battus. Ça doit être une force, malgré tout, pour nous aujourd'hui, de se dire rien n'est impossible. Moi, j'ai envie de dire, quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capable de les répéter. Oui, bonjour, Julien Faumont pour la Radio Europe 1. Une question pour toutes les deux sur l'apport de Khadija Toudjiani dans le secteur offensif. Comment vous l'avez trouvé depuis le début de la compétition et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter justement face aux États-Unis? Écoutez, Khadija Toudjiani s'inscrit dans le projet collectif. C'est vrai que comparativement à il y a quelques mois, c'est une joueuse qui est en pleine explosion. Et très sincèrement pour le groupe, c'est du bonus. Mais elle peut faire mieux encore. Elle peut faire mieux parce qu'effectivement, elle est précieuse dans le jeu, mais pour moi, elle n'est pas encore assez efficace devant le but. Donc si elle arrive à rajouter ça, ce serait super pour elle et ce serait très bien pour nous. Game, pour nous, avoir Khadi dans l'équipe, c'est juste un bonheur well. Parce que c'est une joueuse de puissance qui sait dribbler, qui fait des efforts défensifs également. Elle est très précieuse et je pense que c'est un atout offensif incroyable. Et pareil que la coach, elle peut lui manque un petit but. But she just needs a few more goals. Bonjour. Aymeric Le Gall, Quotidien 20 minutes. Une question pour vous, Corinne. Je me permets de rebondir un peu sur ce que disait mon confrère tout à l'heure concernant la déclaration d'Ali Krieger sur le fait que les États-Unis aient la meilleure équipe américaine. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration et est-ce que c'est un levier que vous allez peut-être vous servir dans votre causerie d'avant match? Alors, vous savez, quand vous jouez les États-Unis, j'aurai beaucoup moins de travail demain lors de ma causerie, parce que vraiment l'aspect motivationnel, j'ai vraiment pas besoin de travailler là-dessus. Motivation, I don't need to work on that at all. The girls are absolutely vraiment, j'ai envie de dire pour moi, alors il y a eu du travail en amont, mais alors demain, c'est sûr que s'il y a bien un levier sur lequel je ne vais pas intervenir, c'est bien celui-ci. Jouer les États-Unis, c'est juste énorme. It's massive to come up against the US women's national team. They are the team have had the most success in terms of silverware in the women's game, so I'll be relaxed from that perspective tomorrow. Bonjour, Ikram Chikesh pour Canal+. Certaines de vos joueuses savent ce que c'est que de s'arrêter en quart de finale. Some of your players are familiar with what it's like to go out in a quarter final like against Germany. What can you say to them in order to get beyond that last eight stage? And for Amandine, what lessons have you learned from that quarter-final defeat against Germany? Je crois surtout que last time around. Il ne faut surtout pas que l'enjeu dépasse. Above all, I don't think that what's at stake should overshadow our game itself. On a ces défaites toujours en quart de finale qui nous suivent depuis un moment. We have had these defeats in quarterfinals that have been haunting us for a while. But that maintenant, might be the case again tomorrow night. We don't know that. Je pense qu'il faut surtout qu'on s'attarde au match. But I think, dans un above premier all, we nous, on a des choses à prouver aussi. On sait que depuis le début, on n'est pas parfait. On le sait. We know that we haven't been perfect since the start of the competition. Est-ce qu'on sera
proche de la perfection demain. En tout cas, c'est ce, qu'on a, c'est ce sur quoi on a travaillé. On en a énormément discuté avec les joueuses. On tend vers ça. Maintenant, vous savez, un match, ça reste un match. Il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas au top de sa forme pour mettre le collectif parfois en difficulté. En tout cas, notre objectif, il est celui-là. C'est de faire mieux que ce que l'on a fait sur le premier tour et également contre le Brésil. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux, et ça, on ne le saura que demain. Oui, c'est sûr que la dernière élimination lors du dernier mondial, ça fait mal. C'est vrai quand même, course, quand ça fait mal. Après, voilà, je n'aime pas regarder le passé. On a le bonheur aussi de pouvoir aller de l'avant, donc c'est ce qu'on va vouloir faire demain, mais en gardant quand même des leçons de ce qui s'est passé. Pas les reproduire, justement. Bonjour Amandine, Anne-Laure Salvatico pour Canal+. Vous êtes passée par les États-Unis, vous avez joué dans ce championnat. Quels souvenirs vous en gardez et est-ce que ce sera un plus pour vous demain? Alors oui, forcément, ça a été un plus dans ma carrière. Ça m'a fait beaucoup mieux, notamment humainement. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert aussi un autre style de jeu, beaucoup plus direct, avec de l'impact physique. Donc oui, je vais essayer de m'en servir et de transmettre aux joueuses aussi, parce que voilà, il faut partager les informations. Et oui, j'espère que ça va me servir vraiment clairement. Oui, une question pour Amandine. Pour prolonger un peu celle-là, c'est que vous avez pas mal de copines aussi dans l'équipe des États-Unis. On avait vu vos retrouvailles Amandine, au moment du match du Havre. Est-ce que vous en avez parlé déjà de ce match-là avant la Coupe du Monde et encore plus depuis qu'ils sont qualifiés? Alors non, on n'a aucun contact entre nous, bizarrement. Non, on n'a pas du tout de contact. Oui, c'est sûr que ce sont mes copines européennes. Voilà, il n'y aura pas de cadeau à se faire. Et on ne va pas faire les matchs avant l'heure. By any means, no, we're not going to play the game before it's time for the full-time whistle. We'll see tomorrow night. Il y a une joueuse qui a fait parler d'elle en face aux États-Unis, c'est la capitaine Rapinoe. Elle est en conflit avec le président Donald Trump. Elle a dit qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche en cas de victoire. Déjà, est-ce que vous avez un avis, un commentaire? Et question, rassurez-nous, est-ce que si vous gagnez, vous irez à l'Élysée ou pas? And if you win it, will you be going to the Élysée Palace to meet the President of France? De Rapinoe. To be honest, I wasn't aware of what's gone on with Megan Rapinoe, so I can't really talk about this. Au regret de vous décevoir, nous ne sommes qu'en quart de finale. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on discutera si on atteint notre objectif le 7 juillet? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, I refuse to not only talk about it, but also think about it. My question is in English. Kevin Keating's the television commentator for the host broadcaster. My question's for Amandine. You've touched on having played in the United States and the physical nature, the directness of the football there. And I'm thinking about tomorrow's game in midfield where that area of the pitch is always so crucial. I just wonder whether you feel France has the strength, the mobility to cope with the USA midfield, and I'd like to get your views on their midfield players, such as Horan, Mewis, and Lavelle, and how impressed you've been with them. Alors oui, c'est vrai qu'avant d'aller aux États-Unis, je connaissais pas trop. Before I went to the United States, it's true that I wasn't really aware of Lavelle and Mewis. I got to know them there, but there's some excellent players that like to drive forward with the ball at feet. But we have everything we need in the French side to stop them from making progress and to counteract them. They have their strengths, we have ours. I've really made the most of my time in the United States to break down the way the women's national team in the US play, and hopefully I can make the most of that tomorrow. This question is in English for Corinne. Over here. Nancy Armour, USA Today. You said after the Brazil game that you had some concerns about some of your players not being at 100%, not recognizing some of the members of your team. Do you feel that's changed in the last couple days? And what are you doing to alleviate some of the pressure that they might be feeling going into this match? Thanks.
Alors écoutez, oui, j'espère que entre le dernier match et le match de demain, certaines ont récupéré quelques forces. Je ne pense pas que ce soit dû à la fatigue, c'est simplement, je pense à la longueur de notre championnat. J'ai beaucoup de joueuses, on ne peut pas parler des Lyonnaises qui ont une saison très longue, très intense. Donc c'est vrai que dans leur préparation, il a fallu les gérer et en plus de ça, elles ont eu des petits soucis musculaires qui a retardé encore la préparation et en tout cas l'aménagement qu'on leur avait préparé. Je pense que demain ce sera mieux qu'hier ou qu'avant-hier, contre le Brésil. Mais je pense que les filles ont bien récupéré. Et puis très sincèrement, quand on joue les États-Unis, on n'a pas de pression. Quite honestly, when you come up against the United States, there is no pressure. L'aspect motivationnel que j'évoquais tout à l'heure. This is coming back again to what I said earlier on about motivation. It's impossible to have any pressure tomorrow night. C'est de la motivation. Quite the opposite, in fact. It's additional motivation for us. La meilleure équipe du monde. We're coming up against the best team in the world. Mis à part faire un bon match, c'est la seule pression qu'on a. So apart from the fact that, you know, the only pressure that we have is to produce a good performance, I would say. Bonjour. My question is in English for Corinne. Could you tell us how Amandina pours inside and especially outside on the pitch? Mais écoutez, Amandine, c'est la capitaine de cette équipe. Amandine is the team captain. Un rôle qu'elle a dû, qui n'était pas naturel au départ pour elle. It wasn't necessarily a natural role for her at the start, but she has managed herself very well over time. We have spoken a great deal, but we've given her time to learn things, to learn to deal with things, and we've also allowed her to do the job as she wished. She's not only a leader on the pitch now, because she really is the driving force of a number of different aspects of our play. We saw that against Brazil, you know, when the captain scores the winner. Et je peux vous dire qu'en dehors également, elle joue un rôle très important. C'est vraiment un vrai relais entre le staff et les joueuses. Là-dessus, on est vraiment en symbiose. Il n'y a pas de relaying information between the staff and the players. Bonjour, Thibaut Geoffrotin pour le magazine Le Point. La France et les États-Unis sont deux équipes qui ont plutôt l'habitude d'avoir la possession de la balle. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir la possession sur 90 minutes ou 120 contre les États-Unis? Et si oui, quelles sont les clés pour y parvenir? Majority of possession for 90 or 120 minutes, and if so, how would you manage that? Ce pourcentage de possession, c'est toujours quelque chose de Ball possession statistics are always quite difficult to look at because you might hog possession and yet still lose the game itself. You can also hog possession and win the game, si nos forces se neutralisent demain. We'll see whether we cancel one each other out tomorrow night. It would be great to ultimately have 50-50 possession and have France winning come full time. Bonjour, Léo Schmidt pour la Nouvelle République. C'est une question pour toutes les deux. Qu'est-ce que vous pensez du niveau pour l'instant d'Eugénie Le Sommer dans cette compétition, à la fois physiquement, et qu'est-ce qu'elle peut améliorer pour la suite, notamment pour demain soir? Écoutez, Eugénie, pour rebondir un petit peu sur la question de madame tout à l'heure, voilà, je trouve que pour moi, Eugénie, aujourd'hui, n'est pas à 100% de ce qu'elle est capable de faire. Voilà, maintenant, Eugénie, on connaît parfaitement ses qualités. Eugénie a fait beaucoup de choses ces derniers jours pour bien récupérer. Et Eugénie, comme d'autres, est un élément moteur du groupe. But she is once again, like other players, a driving force in this team. And even at 90% fitness, she is crucial. But of course, we'd love to have her closer to her top level. But I don't have any doubts with regards to performance levels. I think she'll step up tomorrow night. C'est très bien, c'est un leader technique sur le terrain. Après, on attend toujours que Eugénie fasse un exploit, qu'elle sorte toujours du lot. Il y a parfois sur certains matchs que c'est plus compliqué, et puis sur une Coupe du Monde, voilà, il y a tellement de rivalité aussi que c'est dur, mais je sais qu'elle va monter en puissance et qu'elle nous a pas tout encore. Bonjour, Adrien Decalon, Agence France Presse.
Dans le même ordre d'idées, il y a Wendy Renard qui fait un mondial un peu paradoxal. Wendy Renard, est-ce que vous pensez que c'est lié aussi à la longue saison slightly, est-ce que c'est aussi peut-être mental, le fait de ne pas être capitaine? Comment vous difficult voyez son World Cup. Her form has been topsy-turvy. What do you make of her performances? Je pense que la question du capitana a été balayée il y a bien fort longtemps. I think we got Wendy, over the questions of the captaincy a while ago. Wendy is now a part of the squad. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais we haven't necessarily always seen eye to eye. But that's maintenant, Wendy part est of complètement concentrée sur le jeu. Wendy is now 100% focused on the game, on the squad. Paradoxal, paradoxal, non, Wendy, elle est là. As for whether she's had a slightly topsy-turvy World Cup, I think si she is producing good performances. Cette malchance even de marquer contre son camp, mais unlucky to score that Wendy, own goal. C'est quelqu'un de très compétiteur, but je peux vous dire qu'elle Wendy, va pas s'arrêter là. Wendy, excuse me, is c'est quelqu'un a great competitor. Qui est important she won't pour stop le there, et elle le montre and aussi she's sur very le terrain. Important for the squad, voilà, elle a des and, capacités, she shows that on the pitch as notamment well, athlétiques, qui nous servent beaucoup. Et en tout cas, elle le met au service du groupe. Ça, c'est intéressant. Et puis, c'est elle qui nous commande la défense. Donc, avec l'expérience qu'elle a, elle nous apporte énormément. And she contributes a great deal with her experience. Martin Rogers, Fox Sports. A question for Amandine. The United States has a long history of success in women's football. Your team is the host nation and is trying to build a new history. Which team do you feel is under the most pressure going into this game? And do you think your team is well equipped to handle that expectation? La pression, on n'en a pas. Si ce n'est que de la motivation, de la pression positive. Comme l'a dit la coach, on va jouer contre la meilleure équipe du monde. Donc on a tout à prouver, ça nous décrit notre histoire tout simplement. Et voilà, demain il y a sur le terrain, il y aura deux grandes équipes, je pense. Et puis nous, on va se donner à fond pour aller chercher cette qualification. Bonjour, Jean Lafont, One question in English too. My name is David Thuram of the Berliner Tagesspiegel. To the coach, if you compare the French and the US league, which are the big, the biggest differences? Alors c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne connais pas du tout le championnat américain. Because, Donc, I've got no clue whatsoever about the league in the United States. I know it's a franchise closed system, but there aren't too many que signs. Les clubs choisissent leurs joueurs. Donc on est complètement à l'opposé de ce que l'on peut faire chez nous. The complete opposite donc, of what goes on here in France. So it's hard to compare. J'ai pas assez de connaissances I'll admit that I'm not pour, clued up enough on the American Domestic League to give you an honest opinion at this stage. I'm going to have just a couple more. So, gentlemen, and then there. En anglais, Amandine. Derek from Post Media in Canada. 4 years ago in Canada, the expectations for the Canadian team were so high, and some girls embraced that. I'm just wondering, how high are the expectations for your team here in France, and how are you handling the expectations when the entire country is behind you, hoping you win this tournament? Bah, les objectifs ont été clairement dit avant de commencer la compétition, c'est d'aller à Lyon, clairement, d'aller le plus loin possible. Pour l'instant, on est sur la bonne route. Il y a encore des étapes, notamment demain, qui va être une grande étape à franchir. Voilà, après, je pense qu'on en est capable, mais étape par étape, et on verra demain. Mesdames, bonjour, messieurs, Stéphane Guy, Canal+. Je voulais vous demander, Corinne, ce qui avait prévalu par rapport au choix du 4-4-2 contre le What le made Brésil, you choose a 4-4-2 against Brazil as opposed to the 4-2-3-1 previously? And do you tweak your starting lineup and your formation based on the opposition or based on what you work on the training ground? À Amandine, pardon, de savoir comment and elle, on top of that, Amandine, elle s'adapte à ces deux schémas utilisés pour l'instant. She's
pretty good at adapting to how you shake things up in the middle of the park. Surtout, l'animation que, we have que had two different formations, but ultimately it's the way you play 4-4-2 within that system. We opted for a 4-4-2 against Brazil to try and have a bit more space up the pitch or to try and play the ball in behind with the likes of Diani and also with the contribution of Assai and her pace on the other side. L'idée, c'est de faire les deux, c'est de s'adapter à nos forces et puis également de s'adapter actuellement à l'équipe adverse. Moi, personnellement, en tant que joueuse, peu importe le système, je m'adapte. Comme l'a dit la coach, c'est surtout l'animation qu'on y met qui est le plus important, que ce soit en 4-4-2 ou 4-5-1. Ça ne change pas énormément, mais moi, en tant que milieu, j'essaye de faire le bon relais entre défense et attaque et puis apporter un peu plus offensivement si je peux. A bit more in the final third if I can. Right, that's the end of the press conference. Thank you all very much for attending. Merci. Thank you. Merci. Merci.